أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Commence ici l'explication des règles de tajwid que nous avons rencontrées dans Sourate Ghashiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka. Hal lam bayniyah. Lam écoulement partiel du son. Ataka ici mad harakatayn. Deux temps. حديث الغاشية حديث ici je prolonge deux temps مد طبيعي حركتين ici je fais la liaison du ث ضمة au لام سكون لام écoulement partiel du son البينية غاشية donc غ مفخمة emphatique et prolonger de deux temps ici. Je termine ici mon verset avec la lettre H, car je marque l'arrêt. Wujuhu yawma'idhin. Ici, j'ai une règle entre les deux mots, entre wujuhun et yawma'idhin. J'ai tenwin suivi de la lettre ya, donc idram.
idgham, l'assimilation ou fusion. Je vais donc assimiler, fusionner le nun du tanwin et le ya. Runna, très longue. Akmal ma takoun. Avant cela, j'avais un mètre de deux temps à ne pas oublier. Yawma izin. Pour ce mot, faites attention à bien marquer la fatha et le sukun avec cette lettre, la lettre waw qui est rikhwa. Donc, il faut faire s'écouler le son. Ici, bien prononcer la hamza et ne pas la négliger. On ne dit pas yawma izin, mais plutôt yawma izin. Yawma izin. Là, je marque le noun, je le lis clairement. Ici, je prononce clairement le noun du tanwin. Parce que j'ai la règle de al-izhar, tanwin suivi de la lettre kha, qui appartient au groupe de lettres qui sortent de la gorge. Al-huruf al-halqiyya. Je fais un rappel des six lettres de la gorge. Hamza ha, ayn ha, ghayn kha. On a vu que le dessin du tanwin tel qu'il est dessiné ici, symétrique et non décalé, nous indique que l'on a ici la règle de la clarification, donc al-izhar. Kha mufakhama, emphatique et prolongé de deux temps. Shi, ah. Donc ici, ha, sukun à la fin. Rakhawa, donc écoulement du son. Et puis, faites attention à bien prononcer ayn suivi de ha. Ah. Amilatun nasiba. Ah, deux temps. Tun. Donc ici j'ai idram. Assimilation. Parce que tenwin suivi de la lettre nun. Nun qui appartient au groupe yarmulun. Ici je marque la runna très longue. Puis deux temps pour la fatha de na. Si, donc mufakhama. Si. Bah, bah. Ici, ce sont deux lettres amincies. Ha, pour terminer le verset. Sukun, donc écoulement du son. Tasla, tasla. Attention à bien amincir le ta, à grossir, emphatiser le sod et à amincir le lem. Ici, le sod, en plus de l'emphase, il faut lui donner l'écoulement du son. Parce que sukun. Et ici, on n'oublie pas également de prolonger de deux temps la dernière syllabe de ce mot. Naran, naran, nun, amincie, ra, emphatique. Donc, naran n'est pas naran. Donc, il faut absolument ici amincir le nun. Hamiya, hamiya, deux temps ici. Et on termine. Encore une fois le verset avec la lettre H. Tusqa, tusqa, donc sin rikhwa, donc écoulement du son. Qaf, emphatique et prolongé de deux temps. Min, attention à bien marquer la kasra complète. Itmamul harakat, donc le fait de compléter les harakets, que ce soit la fatha, la kasra, la dhamma, ici en l'occurrence la kasra, il ne faut pas que ça ressemble à men, men. Donc ici, min, un i, tel qu'on le rencontre en français, un i pur et complet. Nun, écoulement partiel du son. Aynin, aynin. Donc on marque la fatha. On fait ici yasukun rakhawa, écoulement du son. Nin, donc ici, les deux kasra écrites de la sorte, comme ici en haut, nous indiquent que l'on est en présence d'un izhar, comme juste ici en haut. Pourquoi? Parce qu'on a la présence d'un tenwin suivi d'une lettre de la gorge qui est la hamza ici. On lit donc clairement le nun du tenwin et on dit Aynin aniya. Deux temps ici, niya. Donc ici, à la fin du verset encore une fois. Laysa, laysa. Donc, lam, fatha, ya, sukun, lay. On marque l'écoulement du son ici. Lahum, on arrondit bien les lèvres, on les avance. On les propulse vers l'avant. Puis, pour le sukun, on les ramène à leur position naturelle et d'origine, qui est la position normale des lèvres.
Donc, ici, dam, ici, irja. Et dam wal irja. Donc, on avance les lèvres pour la dhamma et on revient à la position normale pour le sukun ici. La hum. Ta'amun. Ta'amun. Ta'amun fakhama. Aïn muraqaqa. On ne dit pas ta'amun. Ta'amun. Donc ici, l'écriture du tanwin nous indique qu'on est encore une fois en présence d'une clarification ou izhar. Qu'est-ce qu'on fait? Donc tanwin plus hamza, donc les lettres de la gorge, on prononce clairement le nun du tanwin. Ta'amun. Illa lam shadda, donc on double le lam, plus mad ici deux temps. Ici, on va avoir Nun Sakina suivi de la lettre Dad. Donc ici, Irfa, dissimulation. On va cacher le Nun, faire la Runna et puis se préparer à sortir le Dad. Donc Runna Mufakhama parce que Dad emphatique. Ensuite, Ramuraqara parce que Maksura, donc avec Kasra. Et prolongation ici, Al-Med Al-Arid Lissukun. Donc moi je prolonge de 4 temps. Je vous rappelle que Al-Med Al-Arid Lissukun c'est 2, 4 ou 6 temps. La condition, vous gardez le même temps pour chaque Med Al-Arid Lissukun dans toute la lecture. À la fin, Ain Sakina. Donc Al-Bayiniyah, écoulement partiel du son. La Yusminu. La Yusminu. Donc, lam, fatha, alif, sukun, la, deux temps. Yus. Donc, on marque bien la dhamma en avançant les lèvres et on revient à la normale avec ses lèvres pour le sukun. Ici, écoulement du son pour le sin. Rahawa. Mi, nous. Donc, on complète bien toutes les harakats. Wala. Encore une fois, deux temps. Yurni. Yurni. Donc, ici, rain, mufakhama, emphatique, plus. Écoulement du son. Ici, deux temps. Mi-djou'a. Donc ici, on va avoir Nun As-Sakina, suivi de la lettre Jim, Irfa, donc dissimulation. On cache le Nun et on se prépare à faire un Jim. Runna Kamila, donc une Runna longue. Ici, je termine en quatre temps, comme je vous le disais ici. Puis, Aïn Sakina, comme ici. Il va y avoir deux règles ici du Nun As-Sakina qui se suivent. Donc, entre le mot Wujuhun et Yawma'idhin, on a ici Idram. Idram, Tanwin, plus Ya. Et ici, entre Yawma'idhin et Na'imah, on va avoir un autre idram, donc une autre assimilation, Tanwin plus Nun. Donc ici, pour les deux, on fait une runna très longue. Ici, deux temps. Ici, on marque le waw, écoulement du son. Ici, deux temps. Et on termine le verset avec la lettre ha. Li sa'yiha. Li sa'yiha. Donc attention à bien prononcer chaque syllabe. Ici, Aïn Sukun, écoulement partiel du son. On prononce bien le Ya Kasra et on prolonge ici de deux temps. Radiyah, Radiyah. Donc Ra Mufakhama est prolongé de deux temps. Bad Mufakhama. Et on s'arrête sur un Ha encore une fois. Fi Jannatin Aliyah. Fi de temps. Jannatin, ici, runna akmal ma takun, runna très longue pour nun al-mushaddada. Nun qui porte une shadda. Entre jannatin et aliyah, izhar, clarification. Tanwin suivi d'une lettre de la gorge, qui est le aïn ici. De temps, puis on termine avec la lettre ha. La tasma'u, donc de temps, sin. Écoulement du son. Fiha, donc deux temps plus deux temps. La ria. La ria. Donc deux temps. Rain. Lettre emphatique.
Et on termine avec la lettre ha, sukun. Fi ha, encore une fois, deux temps et deux temps. Donc ici, irfa, tanwin, suivi de la lettre jim. On cache le nun du tanwin, on se prépare à faire un jim, donc on remonte le milieu de la langue. On fait une runa muraqqaqa amincie parce que le jim est une lettre amincie. Prolongation de deux temps et on termine le verset avec la lettre ha. Fiha sururum marfu'a. Donc fiha, encore une fois, deux temps et deux temps. Sururum. Donc ici, dora mufakhama, parce que dhamma ou dhammatin. Attention ici avant, le ra sin muraqqaqa, aminci. On ne dit pas sururun, mais plutôt sururum. Sous, on le garde aminci. Alors ici, entre les deux mots, on a tanwin suivi de la lettre mim, donc idram, assimilation. On fait fusionner le nun du tanwin et le mim. Runna akmal ma takun, très longue. Marr, donc ra mufakhama, parce que sukun précédé d'une fatha. Fou, muraqqaqa, est prolongé de deux temps. Ah, ah. Donc, aïn fatha, ha sukun. Wa akwabum mawdou'a. Donc, ek, ici, al-hams, doit être audible. L'écoulement de souffle, l'écoulement de l'air. Ici, deux temps. Entre ce mot et ce mot, on a tanwin, suivi de la lettre mime, encore une fois. Donc, idram, encore une fois, assimilation. Maw, rakhawa. Écoulement du son. Bon, donc dad mufakhama est prolongé de deux temps et on termine encore en ha. Wa namariqu. Donc nama, prolongation de deux temps ici sur mim fatha alif sukun. Ri muraqqaqa, aminci. Qu mufakhama et madmuma. Ici masfufa. Mas. On ne grossit pas le mime sous prétexte que le sad est emphatique. On ne dit pas mas, mais plutôt mas. Mim muraqqaqa sad mufakhama. Sad rikhwa. Écoulement total du son. Fou, de temps, et fah, ha sukun rakhawa. Wazarabiyu. Wazarabiyu. Donc ici. Deux temps pour le ra, mufakhama en plus. Biyu. Biyu. Donc ici, on marque les deux yeux. Attention à bien prononcer la shadda du yeux. Meb. Ba. Qalqala. On lâche le makhraj du ba aussitôt. Meb. Meb. Thoutha. Donc cette lettre, répétée deux fois, qui est la lettre tha, pour laquelle on place le bout de sa langue sous ses incisives supérieures. Mabthoutha. Ha à la fin. Afala. Donc ici deux temps. Yanvurun. Irfa. Nuna sakina. Suivi de la lettre va. Runna. Mufakhama. On cache le nun et on s'apprête à faire la lettre va en sortant le bout de la langue. Va mufakhama. Ra mufakhama. Ici deux temps. Il a l'ibili. Il a l'ibili. Donc, je fais ici la liaison. Le med, la prolongation ici disparaît. Au profit de la liaison. Rencontre de deux sukun. Le premier disparaît. Donc, on passe de lem fatha à lem sukun. Il a l'ibili. Trois kasra qui se suivent. Il faut faire les trois sans en négliger une par rapport aux autres. Kaifa. Racha, ouais, ici, écoulement du son pour le yé. Khuliqat. Kha mufakhama, lam muraqqaqa. Qaf mufakhama, ta muraqqaqa. On monte, on descend, on monte, on descend. Et à la fin, écoulement de l'air, du souffle, pour la lettre ta sakina. Ici, ce ta, tel qu'il est écrit, qui n'est pas le ta marbouta que l'on avait dans les versets précédents, ne devient pas ha. Donc on garde ta. Wa ila samaa'i. Wa ila sa. Donc ici la liaison se fait de lam fatha à sin shadda.
Même règle pour la liaison que il al ibili. Ici, en plus de la prolongation qui disparaît, on va avoir un lem qui ne va pas être lu. Un lem muet dû ici à la lettre sin qui est une lettre shamsiyah, solaire. On passe donc direct à la shadda et on double bien le sin. Ici, mad wajib muttasil, donc mad de 4 ou 5 temps. Kayfa, ya, écoulement du son. Rufi'at, rufi'at, donc ra mufakhama, puis ta ici à la fin, écoulement de l'air. Wa ila al-jibali, donc pareil que juste en haut pour la liaison. Ici deux temps. Kayfa, on a vu ce mot. Nusibat, nusibat, nusibat. Nun muraqqaqa, sad mufakhama. Attention à bien amincir le nun et à emphatiser le sad. Ta ici, écoulement de l'air. Wa ila al-ardi. Donc même liaison que juste avant. Ra mufakhama, dad mufakhama. Ra mufakhama, pourquoi? Parce que sukun précédé d'une fatha. Kayfa sutihat. Sutihat. Attention à ces mots. Le mot sutihat, le mot nusibat par exemple. Il faut faire attention à la prononciation et à bien emphatiser le ta. Et ici le sad. Sutihat. Sutihat. Et à ne pas grossir le sin. Fadakir. Fadakir. Donc ici on double le kef, shadda. Et on amincit le ra parce que sukun précédé d'une kasra. Innama. Donc ici nun mushaddada runna akmal ma takun. Runna très longue. 4 ou 5 temps ici pour le mad al-ja'iz al-munfasil. Donc suivi d'une hamza. Anta. Anta. Donc ici on a irfa. Nun as-sakina suivi de la lettre ta. Donc dissimulation. On cache le nun et on s'apprête à faire un ta. Mudakir, mudakir. Donc ici on double le kef et on fait ramuraqqaqa. Aminci parce que sukun précédé d'une kasra. Lest, lest. Donc sin, écoulement total du son rakhawa. Alayhim bimusaytir. Donc alay. Donc attention, itmam al-harakat, donc bien compléter toutes les fatha. Et puis, sukun ici, rakhawa, écoulement du son. Himbi. Donc ici, on a al-irfa al-shafawi, donc la dissimulation du mim. L'atténuation du mim, parce que suivi de la lettre ba, ici, mutaharrika. Donc on va faire ici une runna longue, kamila, et on passe du mim au ba, on colle les deux lettres. Musaytir. Donc je disais attention à ces mots qui terminent ces quelques versets comme juste en haut. Ici c'est un mot pas si évident à prononcer parce que plusieurs montées et descentes de sons avec des lettres emphatiques et amincies qui se suivent. Donc sad mufakhama, ya muraqqaqa, ta mufakhama, ra muraqqaqa, say, say, tir, tir. Donc il faut essayer de répéter en décomposant ces mots dans un premier temps et puis en recollant les syllabes entre elles pour faire en sorte de bien respecter les sifat de ces lettres et ne pas remplacer des lettres par d'autres. Illa man tawalla. Donc ici lam mushaddada on la double, deux temps ici pour la illa. Mentawalla, irfa, dissimulation, on cache le noun et on s'apprête à faire le ta. On double le lem, shadda, et puis on prolonge de deux temps ici. Wakafar, donc wakafar. Donc ramufakhama parce que sukun précédé d'une fatha. Fayu'adhibuhullahu. Donc fayu'adhibuhullahu.
Donc, on double le zel et on fait attention à rahawa contenu dans zel sukun, dans la shadda. Bouhou. Et ici, on fait la liaison jusqu'au lam, ici, mushaddada de Allah. Et dans l'afzul jalalah, lam al-mushaddada est emphatique quand il y a dhamma avant, comme ici. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Je fais la liaison du ha dhamma au lam sukun. Ici, je prolonge deux temps. Je fais la liaison ici de ba fatha à lam sukun. Akbar. Donc, hamza fatha kaf sukun ak. On fait sortir al-hams, l'air. Ici, ram ou fakhama parce que sukun précédé d'une fatha. Inna ilayna iyabahum. Nun mushaddada unna akmal ma takun. Donc, très longue. Ilayna madjaiz munfasil. Donc, 4 ou 5 temps. Iya bahum. Donc on fait les deux temps ici. Ici on avance les lèvres pour la dhamma et on revient avec ses lèvres à la normale pour le sukun. Ici pour le mim sukun bayniya, écoulement partiel du son. Thumma in. Même règle pour le mim mushaddada et nun mushaddada. Runna akmal ma takun, runna très longue. Alayna. Donc on fait s'écouler le ya et on prolonge deux temps pour le nun fatha alif sukun. Hisabahum, hisa, deux temps, bahum, on fait le mouvement adéquat des lèvres avec dom puis irja, donc on avance bien les lèvres pour la dhamma et on revient à la normale pour le sukun du mim et ici également mim bayniya, écoulement partiel du son. Puisse Allah vous accorder la réussite dans cet apprentissage, puisse Allah nous faciliter à tous. Je vous dis à très bientôt, inshallah, bi-idhnillah, pour d'autres explications et d'autres lectures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.